It was perfect autumn weather in France in August 2000 to visit the delightful little village of Livorno to see how the people of southern France lived in the year 1900. The early morning mists were rising from the valley below our Val village at AN as we headed south for the border. This visit is really special. We are now at the remarkable village of Livorno, set up to show the way of life in Périgord 100 years ago. My name is Sandrine, and I will be your guide during 1 hour, half an hour. It depends on you. So here we're going to see the way of life of the beginning of the 20th century in the Périgord, and we're going to meet some craftsmen whose works were well known at the beginning of the century, but less nowadays. And I hope you will enjoy. Merci. They all get a black overhaul. It's a question of equality. France had a very large empire in 1900. To count, to read, with they write with purple ink. To count, they used a brush waiting. And we've got the dunes cap. They go back home with it. Oh! And they go back home on foot. So everyone knows, and parents are very angry because it's the start of the compulsory school. So if they don't learn anything at school, they are obliged to go to school, even if they don't do nothing. I came at school with a piece of wood. In general, they ate. Moral for Monday, the 14th of June, 1900. One must always respect those around us. So, boys, only boys, should learn to learn the shape. This is a typical storage barn on a farm at the turn of the century. All the farm workers gathered in the barn. The cows are right next door, tethered, and of course there's something going on up in the hayloft. Work it out for yourself. That's not single ply, isn't it? No, you can do Lisa if you want. Double bobine, then they put them together. Yes, put them together. Au filet. On tient un du tout. Bloqué. Double bobine. Le fil passe là. Chaque fois que ça tourne, ça torsade le fil.
jusque là. Je prépare et ça me reste. Elle prend son carton, elle dit si ce qu'elle cherche il est bien, si ça vaut la peine de monter. Oui. Ah, il y a autre chose. Ah, il y a autre chose. Alors, pour les mamans, on met de la lavande et on accroche ça à la clé de l'armoire. Et le soir, quand la dame est malade, qu'elle a mal à la tête, elle tourne de ce côté, on ne lui demande rien pour dormir. Le soir. Oui, le soir. Quand elle va dormir. Oui. Elle tourne la chaussette de ce côté. Parce qu'elle a mal à la tête, elle veut être tranquille. Oh, d'accord. It's a little bit like putting something on the outside of your room to say that you're sick. And you turn it around, turn the key. Alors le monsieur n'a rien à demander. And the gentleman then doesn't come in to disturb you because So I think we should all have one of these. C'est sans fleurs. On ne dit pas avec des fleurs. D'habitude, quand on aime, on dit avec des fleurs. Oh, and perhaps you might get some flowers as well. Il y en a pas le soir. Pour le grand-père, il met sa pipe dedans. Elle est au propre. Et il la voit, elle est pendue au mur à côté de son fauteuil. Et il prend sa pipe et elle est propre. Oh, ok. So, also the grandfather can put his pipe in it. And then it's all beautifully clean when he puts it on his arm. The little bit that I didn't get to translate for you is that that the grandmother often puts perhaps a key of their chest or some money for the child for the grandchildren in there. So it's sort of a way, I guess, of bringing things on. Yeah. Mm. It's a sage. Yes, you. Alors, sage, j'avais les cheveux. She says it's only when we get white hair that we get wise. Merci, madame. Je vois très dur là. C'est du buis. Ça c'est le moteur. And then he used to try and economy of energy and it don't the motor is a piece of string. A horseshoe. Yeah, carrier. Thank you.
interest. Yeah, that was the mass production. However, they would have to match it to the track of the horse. Yeah. They would have to be somehow. An old steam locomotive manufactured by Merlin and Company in Vierzon in about 1850. This is the old Perigord farmhouse of 1883. And to save water, they use this. It's a small watering can. Uh-huh. It's for drinking and. And for washing hands. Uh-huh. They can sing, they can tell stories, break walnuts, make baskets. And to light, they use this oil lamp. It works with walnut oil, but it, in certain regions, it works with pork oil and it smokes. And it does smoke. Does the walnut smoke? No. Mm-hmm. So there is one room, one bed for the parents, one for the children. It's a lot of children in one bed like this. So the eldest go in the barn to sleep because there are always the animals, so it's warm. Mm-hmm. To warm the bed, we use a monk. It's called a monk. Because the young monk used to warm the bishop's bed before he go to sleep. And it's the name of this. Why is it shaped like that? Where do you put the? In the bed. With you put a foot warmer. All oh, right. Yeah. So. The dry are dry. The sheets are dry and warm. Keeps the sheets. Oh yes, works. Here it's an little ironing board. For sleeves, lace. There is always photo of grandparents. Yeah. A crucifix. Yeah. And the bed are quite small. It's 100 years ago, so they're not so short. And they slept sit or in fetal position because they were afraid to die if they slept full length. Thousands and 100 degrees Celsius.
Ils vous donnent les trois biscuits blancs là, au premier soir. Donc, cet après-midi, blanc, je le décore à la main grise. Merci bien, madame. Au revoir. C'est la toupie avec laquelle les enfants jouaient dans les cours d'école autrefois. Et donc, dans le Périgord, on appelait ça la périnquette ou le bon du faux, ou la bonduche. Vous voyez, ça tourne en un tourneur. Ça tourne. Alors, les enfants étaient très doués avec ce jeu de toupie. En fait, ils prenaient une ficelle à un bon mètre, ils en mordaient à la queue, passaient sous la pointe, ils remontaient tout autour, ils lançaient et la toupie tournait. Donc, certains préfets de région avaient interdit le jeu dans les cours d'école parce que quelquefois, les enfants se les mettaient sur la tête ou cassaient les carreaux de l'école. Alors, une toupie comme celle-ci, elle coûte 30 francs. Si elle avait été faite en buis, ça c'est du buis, eh bien elle coûterait 70-80 francs. Le buis est plus rare et plus cher. Mais pour avoir un buis de ce diamètre-là, il faut une centaine d'années. C'est un des seuls bois qui va se travailler en ronda. Spinning top. Alors, l'intérêt de faire la toupie ancienne, c'est que c'est une pièce ancienne qu'on ne trouve plus en commerce. Et qui des parisiens mais des tourneurs. C'est pas Taïwan, c'est pas tournage automatique. Là, c'est de l'artisanat. Made in Périgord. Elle dort. Ah. Elle bouge pas. Et le tour, il tourne à quoi, là? À l'huile de... Non, pas de coude. À l'huile de pied, normalement. Je vais vous donner une petite explication. Another Venice craft, hoop making, for barrels or maybe for children's play. I'm amazed at the number of men in this party, but I thought you might have a lot of those little huts that they have. Primitive. It just works from September to March, because it must voilà. Work. It must work. Pour prendre une photo. Wash day. I guess this is the washing machine, but the hard way. The low doorway shows how short in stature people were back in 1900. Then the cafe provided everything. A shave today for a penny, tomorrow it's free. In the cafe, things seemed to be a bit quiet. It certainly wasn't rush hour, but apparently things hotted up quite a bit when they had a wedding in those days. So the wedding lasted 3 or 4 days. So that is the neighbor who does who served the meal, the different meals. Thank you. Thank you. You've got a question? And it's very pretty. In Périgord, they simply had to sell pâté de foie gras on the way out. Enjoy your holidays. It had been a fascinating visit, but now it's time to head back to overnight at our Val village at AN. Accroche ça à la clé de l'armoire. Et le soir, quand la dame est malade, qu'elle a mal à la tête, elle tourne de ce côté, on ne lui demande rien pour dormir. Elle... Le soir. Oui, le soir. Quand elle va dormir. Oui. Elle tourne la chaussette de ce côté. Parce qu'elle a mal à la tête, elle veut être tranquille. Oh d'accord. It's a little bit like something on the outside of your room to say that you were sick and you turn the key. Alors le monsieur n'a rien à demander. And the gentleman then doesn't come in to disturb you because So I think we should all have one of these. C'est très sage.
on ne dit pas avec des fleurs. D'habitude, quand on aime, on dit avec des fleurs. Oh, and perhaps you might get some flowers as well. Il y en a pas le soir. Pour le grand-père, il met sa pipe dedans. Ah, elle est au propre. Et il la voit, elle est pendue au mur à côté de son fauteuil. Et il prend sa pipe et elle est propre. Oh, OK. So, also the grandfather can put his pipe in it. And then it's all beautifully clean when he puts it on his own tree. And there we go. So it has a natural multitude of uses. Everybody in the family has a children. The little bit that I didn't get to translate for you is that the grandmother often puts perhaps a key of their chest or some money for the children, for the grandchildren in there. So it's sort of a way, I guess, of bringing things on. Yeah. J'avais les cheveux blancs, il faut être sage. Well, she says, it's only when we get white hair that we get wise. Merci, madame. Je vois très dur, là. C'est du buis. C'est du buis. C'est du buis. Talk about spinning, and then you'd try and back it with your top. Ça c'est le moteur. And then he used to try and economy of energy and it don't, the motor is a piece of string. Merci. Bon. Tu guides pas, tu pas guide. Si. J'avais les cheveux blancs, il faut être sage. She says, it's only when we get white hair that we get wise. Merci, madame. Je vois très dur, là. C'est du buis. Talk about spinning, and then you'd try and back it with your top. Ça c'est le moteur. And then he used to try and economy of energy and it don't, the motor is a piece of string. Merci. Bon. Tu guides pas, tu pas guide. Si. On peut faire un point. On peut faire le tour de le faire. He does a horseshoe. Yeah, chariot. Thank you.
tell stories, break walnuts, make baskets. And to light, they use this oil lamp. It works with walnut oil, but it's in certain regions it works with pork oil and it smokes. And it does smoke. Does the walnut oil not smoke? No. So there is one room, one bed for the parents, one for the children. It's a lot of children in one bed like this. So the eldest go in the barn to sleep because there are always the animals, so it's warm. To warm the bed, we use a monk. It's called a monk because the young monk used to warm the bishop's bed before he go to sleep. And it's the name of this. Why is it shaped like that? Where do you put the... In the bed. With you put a foot warmer. All right. Yeah. So the dry are dry. The sheets are dry and warm. Keeps the sheets. Oh yes, works. Here it's an little ironing board. For sleeves and for sleeves, lace. There is always photo of grandparents. Yeah, a crucifix. And the bed are quite small. It's 100 years ago, so they're not so short. And they slept or in fetal position because they were afraid to die if they slept full length. Et donc dans le Périgord, on appelait ça la périnquette ou le beau du fond, ou la bauduche. Vous voyez, ça tourne. Alors les enfants étaient très doués avec ce jeu de toupie. En fait, ils prenaient une ficelle à un bon mètre, ils avaient mort derrière la queue, passaient sous la pointe, ils remontaient tout autour, ils lançaient et la toupie tournait. Donc certains préfets de région avaient interdit le jeu dans les cours d'école, parce que quelquefois les enfants se les mettaient sur la tête ou cassaient les carreaux de l'école. Alors une toupie comme celle-ci, elle coûte 30 francs. Si elle avait été faite en buis, ça c'est du buis, eh bien elle coûterait 70-80 francs. Le buis est plus rare et plus cher. Mais pour avoir un buis de ce diamètre-là, il faut une centaine d'années. C'est un des seuls bois qui va se travailler en ronda. Spinning top. Alors l'intérêt de faire la toupie ancienne, c'est que c'est une pièce ancienne qu'on trouve dans le commerce et qui déparait bien avec des tourneurs. C'est pas Taïwan, c'est pas tournage automatique. Là c'est de l'artisanat. Made in Périgord. Elle dort. Ah. Et le tour, il tourne à quoi là? À l'huile de... Non, pas de coude. À l'huile de pied, normalement. Je vais vous donner une petite explication. Another Vanish craft, hoop making, for barrels or maybe for children's play. Oh,
I'm amazed at the number of members of the party. I thought you might have a lot of those little huts that they had. Primitive. It just worked from September to March. No. She does, it must voilà. Work. So. Oh. It must work. We'll take the photo. Wash day. I guess this is the washing machine, but the hard way. The low doorway shows how short in stature people were back in 1900. Then the cafe provided everything. A shave today for a penny, tomorrow it's free. In the cafe, things seem to be a bit quiet. It certainly wasn't rush hour, but... Donc, cet après-midi, plan, je le décore, à la main grecque. Merci bien, madame. Au revoir. C'est la toupie avec laquelle les enfants jouaient dans les cours d'école autrefois. Et donc, dans le Périgord, on appelait ça la périnquette ou le bon du faux, ou la bonduche. Vous voyez, ça tourne. Alors les enfants étaient très doués avec ce jeu de toupie. En fait, ils prenaient une ficelle à un bon mètre, ils en mordaient à la queue, passaient sous la pointe, remontaient tout autour, ils lançaient et la toupie tournait. Donc certains préfets de région avaient interdit le jeu dans les cours d'école, parce que quelquefois les enfants se les mettaient sur la tête ou cassaient les carottes d'école. Alors une toupie comme celle-ci, elle coûte 30 francs. Si elle avait été faite en buis, ça c'est du buis. Eh bien, elle coûterait 70-80 francs, le buis est plus rare et plus cher. Mais pour avoir un buis de ce diamètre-là, il faut une centaine d'années. C'est un des seuls bois qui va se travailler en Honda. Spinning top. Alors l'intérêt de faire la toupie ancienne, c'est que c'est une pièce ancienne qu'on trouve dans le commerce et qui n'est pas rien mais des tourneurs. C'est pas Taïwan, c'est pas tournage automatique. Là, c'est de l'artisanat. Made in Périgord. Elle dort. Ah. Et le tour, il tourne à quoi là? À l'huile de... Non, pas de coude. À l'huile de pied, normalement. Je vais vous donner la petite explication. Another vanished craft, hoop making, for barrels or maybe for children's play. I'm amazed at the number of members at the party. I thought you might have a lot of those little huts that they had. Primitive. It just worked from September to March. No. She does, it must voilà. Work. So. Oh. It must work. We'll take the photo. Wash day. I guess this is the washing machine, but the hard way. The low doorway shows how short in stature people were back in 1900. Then the cafe provided everything.